Waouh, Lola, mais c'est quoi encore l'endroit où tu m'as emmené là? Qu'est-ce qui se passe? Non, dis-moi pas que tu nous as emmenés dans le Squid Game quand même, on va tous mourir! Ben, c'est pas moi du tout, Oh là là, les amis, regardez-moi ça, je crois qu'on est donc actuellement dans le Squid Game sur Roblox. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas évidemment quel est le Squid Game, c'est un jeu d'enfant, voilà, c'est un jeu VF, c'est plutôt un endroit où on est emmené quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et en gros, voilà, on a plein de missions différentes à faire. Et évidemment, le but, c'est de ne pas mourir, puisque évidemment, tous les jeux qu'on fait dans cette, dans ce jeu, entre guillemets, dans le Squid Game, eh bien, si on les échoue, ce qui se passe, c'est qu'on meurt définitivement pour toujours et on a perdu le jeu. Donc, en gros, le but du jeu, c'est de survivre au maximum le plus longtemps. Donc, Lola, t'as compris un petit peu le principe du jeu? Attends, mais déjà Lola, faudrait que je trouve un petit peu où est-ce que t'es, parce que là du coup je... Ah, Lola, t'es voilà. Bon. Moi aussi je suis le numéro 001. Bon bah écoutez, je crois que tout le monde en fait est le numéro 001. Alors en gros les potes, là ce qui va se passer, c'est qu'on va donc du coup avoir différents jeux. Je crois qu'au total sur le Squid Game, on en a 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et ce qu'on va faire Lola, c'est qu'on va s'affronter durant 6 jeux incroyables. Alors on va essayer d'être ensemble et de pas se faire de mal. Non, non Lola, je veux vraiment pas qu'on meure Lola. Vas-y, tiens, prends-moi dans mes bras. Prends-moi dans mes bras, je veux vraiment pas que tu meures Lola. Et puis évidemment, juste avant que l'on commence la vidéo dès maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à ce que tu regardes vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Puisque voilà, avec le Squid Game, il va vraiment se passer des trucs de ouf. Ok, bon, regardez, il y a les messieurs du Squid Game qui sont là. Bon, il faut faire attention, faut pas faire trop de bruit, puisque évidemment, ils sont très dangereux ces messieurs-là. Ils pourraient clairement venir nous tuer. Alors vous avez pu le voir, regardez, ça y est, il y a écrit le nombre de joueurs qu'il y a donc actuellement. Comme vous avez pu le voir, on est donc au total 77 à jouer, donc pour tenter de gagner le Squid Game. Et là, qu'est-ce qui se passe si on gagne le Squid Game? Hein, Lola? Bon. Qu'est-ce qui se passe si jamais on gagne le Squid Game, Lola? Hein? On gagne exactement, voilà, beaucoup d'argent. On parle quand même de plusieurs millions d'euros. Donc les potes, vous savez quoi? Si jamais c'est moi qui gagne le Squid Game ou alors Lola, ce que je ferai, c'est que je partagerai eh bien la victoire avec Lola et même avec vous les abonnés. Et donc du coup, vous gagnerez tout l'argent qu'il y aura à gagner. Donc les potes, si jamais tu ne veux pas louper ce petit concours-là, dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne, mets un pouce bleu et surtout regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup ici, Lola? Je comprends pas trop les sous-titres. Explique-moi un petit peu. Ah. Alors en gros, c'est le jeu 1, 2, 3 soleils. C'est le jeu 1, 2, 3 soleils. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on puisse survivre du coup? Alors, en gros, il y a un détecteur de mouvement dans le genre de poupée. Et en gros, tu dois avancer et quand elle fait... Et quand elle finit de parler, et ben, tu dois pas bouger sinon tu fais... D'accord, t'es en train de me dire qu'en fait elle dit 1, 2, 3 soleils en coréen, c'est ça? Oui. Ok, et donc du coup, dès qu'elle finit de parler, en gros, faut arrêter de bouger. Ok, ah, écoutez, écoutez. What? Elle a tué des gens! Elle a tué des gens! Vite! Avance, avance, avance! Ok! Bon, en gros, dès qu'elle finit de chanter, il faut direct arrêter de bouger. Ok! Avance, 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 Lola! Ok! Voilà, dès qu'elle arrête de chanter, là, il faut vraiment arrêter de bouger. En gros, c'est comme quand on dit 1, 2, 3 soleil. Ok! Ça va, on avance bien, Lola, hein? Ok! Ok! C'est bon, pour l'instant on est bon, faut que personne ne bouge hein, ici. Bon, y en a qui bougent, mais ils vont se faire tuer. Ok, Lola. On est juste à côté, Lola, regarde. Regarde, Lola, on est juste à côté, je suis juste à ta gauche. Attention. Allez, allez, Lola, cours, 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 Lola, cours, 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 cours. Ok. Attention. Je vais y arriver, Lola. C'est bon, j'ai réussi, Lola. Ok. Bon. Les amis, comme vous avez pu le voir, ça y est, on a donc réussi la première épreuve en 1 minute. Bon, là on a encore quelques collègues là qui doivent encore réussir le parcours. Attends, mais hé, Lola, tu crois qu'on peut encore y retourner ou pas? Regarde, coucou. Coucou. Oh là. Attention. Ok. Et moi je joue avec le feu moi. Regarde là. Eh oh. Ok, attention les potes, on va revenir. Attention les amis. Ok, faut vraiment pas que je bouge. Ok. C'est bon, voilà, je suis revenu là. Ok. Bon, 30 secondes du coup pour suivre. Donc voilà, je crois que le premier jeu, on a réussi à passer la première épreuve, Lola. Ouais, on a réussi, hein, Lola. T'as dit quoi? C'est trop simple. On est trop sain. C'est vrai que c'était plutôt simple, première épreuve. Mais Lola, ça risque de vraiment se compliquer durant les prochaines étapes. Donc faut vraiment rester très concentré, ok, Lola? Oui. Voilà, en tout cas voilà, là vous avez pu le voir, regardez, il reste 10 secondes. Bon, il y en a qui jouent un petit peu avec le feu là, regardez Pablo là qui est en train de bientôt finir le parcours. Allez Lola, cours. Allez Pablo, cours.
Voilà, parfait, nickel, c'est bon. Moche, premier putain. Parcours, il a été réussi. Oui. Impeccable, bravo Lola. Voilà, on a réussi. Donc là, vous avez pu voir, regardez, on était 77 au début du parcours et voilà qu'on passe déjà à 38. Ça veut dire qu'il y a donc déjà la moitié des joueurs qui sont morts. Mais bon, écoute Lola, c'est pas fini puisque dès maintenant, on se retrouve du coup pour la deuxième épreuve. Dans le deuxième tunnel, Lola? Non, non, attends, mais dis pas des trucs comme ça, Lola. Bon, attention, dans quelques secondes, la nouvelle épreuve va commencer. Lola, tu penses que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah écoutez, on va le découvrir ensemble. Oh, on est dans une ère de jeu. Ok, bon, bienvenue dans la seconde, dans le second jeu, apparemment. Oh, regarde, je crois qu'on a un parcours à faire, regarde sur la droite. On a une sorte de parcours à aller faire. Ok, par contre, je crois qu'il y aura un temps imparti pour faire le parcours, ok, Lola? Oui, oui. Donc faut bien faire attention de ne pas tomber hein. Je crois que c'est une sorte de petit parcours. Si tu tombes, t'es éliminé. Si tu tombes, tu meurs. Et tu reviens pas à la vie hein. 2 minutes, c'est ça, 2 minutes pour faire le parcours. Allez, c'est parti. 2 minutes pour faire le parcours. Alors voilà, le but c'est donc de marcher sur cette ligne là. Ah ouais, ok. Oula, ah mais attendez, mais elle est chaude la ligne. Attendez, ouais. Ok, ah mais c'est un parapluie. Ok, attendez, hop. Oula, Lola, fais attention de pas mourir hein. Ok Lola, c'est bon, t'as réussi de ton côté toi ou pas? Ok, oh mais c'est, hey, c'est compliqué hein. Oh, il y en a plein qui meurent, je les entends tous mourir les amis. Ok, bon, fais attention puisque évidemment si jamais je tombe de la ligne, et bon, on recommencera du début. Et dans ce cas-là, bah les amis, bah j'aurais perdu le Squid Game. Donc on va essayer quand même de le one-shot ce petit Squid Game parce que... Ah, ok, j'ai failli tomber Lola. Voilà, voilà, j'ai failli tomber. Allez, on va y arriver. Lola, t'y arrives toi pour l'instant? Je suis devant toi. Ok, de toute façon, on a du temps. Allez, 1 minute pour finir le parcours. Allez, Lola. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Allez, Lola. Yes. C'est bon, on a réussi le Squid Game. On est donc passé de 44 adversaires à 27. Et comme vous avez pu le voir, regardez le butin. Il a aussi augmenté. Il y a de plus en plus d'argent. Puisque, évidemment, plus il y a de personnes qui meurent, plus il y a de gens qui meurent, plus il y a d'argent à gagner. Donc, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Allez, Lola. Dès maintenant, je. Tu partageras l'argent avec. Est-ce qu'on partagera l'argent et est-ce que l'argent il pourra se convertir en vue? Ah bah écoute, je sais pas, peut-être qu'on pourrait transformer l'argent en vue. Avec Awariz. Ah, dites donc, bah écoutez, on verra. En tout cas, voilà, pour l'instant, franchement, on s'en sort bien dans le Squid Game. On a réussi déjà les deux premières épreuves, mais il y en a donc au total 6 à faire. Est-ce que vous pensez qu'on réussira à être les derniers survivants avec Lola? Regardez, il reste plus que 27 survivants. J'espère qu'on va aller loin, hein, franchement, puisque c'est exact, bah c'est totalement l'objectif du jeu. Donc bon, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Après la mort. T'as dit quoi? Il se passe quoi après la mort? Bah écoute, tu sais Lola, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a après la mort. Peut-être que. Mais peut-être que grâce à Squid Game, on va découvrir qu'est-ce qui se passe après la mort, vous savez. Donc bah écoutez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque ça va être incroyable. Ok, donc 5 secondes les amis, une toute nouvelle épreuve va commencer. À ton avis Lola, qu'est-ce qui va se passer comme épreuve là? Un saut, peut-être des sauts. Ok, bon, déjà on est dans la même ligne, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Attention, on se prépare maintenant pour le troisième jeu. Ok, c'est parti. Alors, allez, on se met à côté de là. Viens, on reste bien à côté, comme ça on est sûr d'être ensemble pour le troisième jeu. Parce que je crois que c'est un jeu où il faut être en équipe. Donc attends, viens Lola, on se met bien à côté là. Comme ça, je pense qu'on sera à côté. Enfin, ouais, voilà. On se met à côté, comme ça au moins on a plus de chances de tomber ensemble. Parce que si on tombe pas ensemble, c'est compliqué. Alors, quelle est donc cette étape? Oh, regarde Lola, c'est quoi le jeu? Attends, on est ensemble ou pas? Attends, fais voir. Mais non, dis pas. Je suis en dessous de toi, Ah, ok, c'est bon, ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'était pas ensemble. Bon, ça va. Alors, en gros, là, le but, c'est un objectif de force. Ça veut dire que, regardez, vous avez pu le voir en face, il y a des gens. Et nous, il faut cliquer super vite sur un bouton. Ça veut dire qu'en fait, c'est une épreuve de force, en fait. C'est une épreuve de force et de rapidité. J'espère que Lola, j'espère que t'as des macros pour qu'on puisse vraiment cliquer super vite, hein. Parce que, regardez, en face, il y a beaucoup de gens. Donc attention les amis, ça va bientôt commencer. On va donc affronter toutes les personnes en face. Et le but du jeu, ce sera de cliquer super vite sur ce bouton là. Ok, go, clic. Allez, on y arrive. Ouais, eh, mais on les éclate là Lola. Regarde, ok Lola. Allez vas-y, clic Lola. Ok, je sais pas si on est en train de gagner ou pas. Mais franchement je trouve qu'on est en train de bien avancer. Allez Lola, clic. Regardez, ils sont en train de reculer. Mais oui, eh, on gagne Lola, non? Regardez-moi ça, attention, je crois que les premiers vont déjà tomber dans le vide. Ok, regardez-les là-bas, ils vont tomber dans le vide, regardez-les, ils sont là-bas. Yes! Eh Lola, franchement, on est beaucoup trop fort. On a donc gagné, encore une fois, une nouvelle étape.
Bien joué Lola, franchement bien joué parce qu'on a fait vraiment un bon travail d'équipe. Et comme vous avez pu le voir, pardon, il reste maintenant plus que 13 personnes en vie. Donc franchement, eh bien c'est incroyable. Lola, tu te rends compte Lola que quand même dans les 13 qui restent en vie, on est toujours ensemble hein. Enfin, il y avait 130 et on était maintenant on est 13. Et oui, t'as vu, on est des bons survivants. Attends, hein. Bouge pas. Attends, c'est trop longtemps, on peut être ensemble. Alors attention, quelle est donc maintenant l'épreuve de... Non. Oh là. Quoi? Oh, c'est l'épreuve des billes, Lola. Tu sais, il faut deviner si jamais c'est impair, pair, etc. Oh là là. Bon, Lola, j'espère que tu vas réussir à cette épreuve là parce que si jamais je te perds maintenant, je vais être trop triste hein. OK, bon, Lola elle est en face. Lola, faut vraiment que tu gagnes cette épreuve, OK? Bon quoi, les amis, le but c'est bah t'as vu la série Squid Game, Lola? Bah en gros le but il est assez simple. En gros il faut que tu devines si c'est impair ou pair. Et les gens en face en fait ils vont parier. Donc tu vas parier un nombre de billes hein. Tu vas parier un nombre de billes. En fait c'est un petit peu un jeu de hasard, tu vois. Genre comme toi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un jeu un petit peu de hasard. Donc je sais pas, ok. Donc comme tu peux le voir, regarde là il y a 10 il y a 10 billes en face. Alors là, donc là, c'est odd. Donc, est-ce qu'il faut parier si ça va être impair ou pair? Moi, je vais parier peut-être que là. Allez, première, ça va être odd. Donc, odd, ça veut dire impair. Yes! Les amis, regardez! Yes, c'était impair. Toi aussi, t'as trouvé la bonne réponse? Oui. Ok. Parfait. Bon, pour l'instant, on est plutôt bon. Voilà, odd, c'est trouvé. Donc, voilà, ça veut dire que maintenant, on a déjà 11 billes. Allez, là, on peut le faire. Allez, maintenant, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être? Ça, je ne le sais pas, mais on va le découvrir. Odd ou even? Encore odd, tu penses, Lola? Chifoumi, quand c'est toi qui mange, odd. Ok, odd. Donc odd, ça veut dire impair. J'espère que ça va de nouveau être une bille impair. Yes! C'était impair! Yes! T'as récupéré combien de billes, là, Lola? Là, j'en ai récupéré 3. Ok, 3, ça va. Mais t'es forte, là, okay. Même moi. Donc, mais moi, je pense que c'est even. Tu penses que c'est even? C'est vrai, moi aussi, je pense que ça va être even, là. Ok. Allez, c'est parti, on va cliquer sur even. Si ça serait pas encore odd, par hasard. Moi j'ai cliqué sur Even donc c'est mort. Ok, vas-y, allez, on va cliquer sur Even. Attention les amis, Non, c'était odd. Et il y a 5 billes qui ont été pariées, Lola. 5 billes, donc là ça veut dire qu'on en perd 5. Oh là. Ok, t'es sûr que ça va être Even? Non, je crois que ça va encore être odd justement. Non, je crois que c'est odd. Clique sur odd, Lola, clique sur odd, ok? Non, clique sur odd, je crois que j'ai déjà joué au jeu, clique sur odd. Ok, bon, je sais pas si ça va être odd ou pas, mais je crois que c'est odd, hein, si je vous mens pas. Odd, c'était odd aussi, Lola, ou pas? Non. Enfin, pour toi, c'était un odd ou even? Odd. Ok, bon, encore une fois, je crois que c'est odd, Lola. Hein. T'es sûr? Je suis pas sûr. je suis pas sûr. Mais je crois qu'à bientôt, ça va être even. Ok. Mais là, je crois que c'est odd. Ok, attention, on va voir, attention. Il y a déjà quelqu'un qui est mort, je crois. Il y a déjà quelqu'un qui n'a plus de billes. Donc, faut faire attention d'être le dernier avec des billes. Ok, c'était odd. Lola, regarde, on en prend 5. 5 d'un coup, Lola, ouais. On a quasiment toutes les billes du jeu. Bon, là, par contre, je suis pas sûr. Mais essaye peut-être even. Hein. 15 billes, le but, c'est d'avoir les 20 billes pour survivre. Donc, t'as combien de billes, toi, Lola? 13. Allez, clique sur even. Je pense que ça peut être even. J'espère, en tout cas. Allez, even s'il vous plaît. Si jamais les amis, il y a 4 billes ou 2 billes. Enfin, en fait, il faut que ce soit un chiffre pair. Attention. Aïe. Ok. Bon, là, c'était odd. Et par contre, prochaine, je pense que c'est even. Là, je pense que ça va être pair, là. Ok. Ok, là, c'est encore even. Ouais. Bah, en fait, à partir de maintenant, je sais plus. Parce que à ce moment-là, je suis mort dans le jeu. Donc, voilà. Mais okay, là, je vais. Je pense que c'est even. Moi, là, je pense que ça va être even. Ça veut dire qu'en gros, voilà, ça va être pair. Là, fais attention de pas. De pas non, de... Il faut qu'il te reste des billes. Non, even, ça veut dire pair. Ah, pourquoi non, c'est impair? Bah, odd, c'est impair. Attention, et c'est... Ah, mais non! Non, mais les potes! Mais wesh, mais les amis, mais c'est tout le temps odd, c'est pas possible. Mais quand non, est-ce que c'est odd, even? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu paries non, quoi, là, Lola? Là, je pense que je mets odd. Hein. Tu mets odd, vraiment? Mais du coup, en fait, ça, c'est tout le temps odd, en fait, non? Hein? Oui, c'est toi, odd. Odd. Bon, allez, on va mettre odd. J'ai vraiment du mal. J'ai peur que ça va être. Dis-moi pas que c'est pair, s'il te plaît. Dis-moi pas qu'il y en a 4 là. Purée, les amis. Mais j'en étais sûr. Ok. Bah, pourquoi t'as pas mis? Mais parce okay, que. Non, ça va être juste les Il te reste combien là de billes là? 7.
Ok, bon, moi il m'en reste 9, les amis. Le but c'est d'en avoir 20 parce que là on est dans le mal. Hein. Là on est vraiment dans le mal. Et franchement, je sais pas pourquoi. Oh, c'est bon! Yes! On a réussi à survivre, les potes. On a fait les 8 rounds. Let's go! Mais attends, mais Lola, on est vraiment encore en vie là? Attends, mais il reste combien? Il reste 9 personnes, Lola. Mais tu te rends compte comment on est fort? Mais incroyable, les potes! Attention les amis, on se dirige maintenant du coup pour le cinquième jeu. Cinquième jeu évidemment sur 6. On a franchement fait du superbe travail. Regardez-moi ça, 9 personnes en ville. Allez là, prépare-toi. Ça va être incroyable ce qui va se passer maintenant. Bravo, bravo. C'est vrai qu'on a fait du bon travail. En tout cas les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous avez vu la série ça s'appelle comment déjà? Slide Game, non, Squid Game. C'est vrai que j'avais oublié. Oh là, les trucs en verre. Waouh, 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 oula. Ok, bon, on est vraiment plus beaucoup. On est vraiment plus beaucoup en vie, donc bon. Comment dire, en gros, là, je vous explique quel est le jeu, en fait. C'est que, comme vous avez pu le voir, voilà, il y a des morceaux de glace, etc. Sauf qu'en fait, il y en a un des deux à chaque fois qui est piégé. C'est-à-dire qu'en fait, que si on saute dedans, bah, en fait, on tombe directement dans le vide. Donc, faut faire un petit peu Où attention. On va laisser les personnes aller, mais tu sais que j'ai peur qu'elles ne veuillent pas y aller. Oh, attends. What? Ils connaissent le chemin? Attends, ok, donc les deux premiers, c'est par là. Ok, après, c'est troisième, là, ici. Ok, pour l'instant, on est pas mal. On a déjà avancé de 3, mais là, le but, c'est de continuer. Allez, qui veut y aller? Allez, Chiche, vas-y, Chiche, tu peux y aller. Attends, on va regarder. Est-ce qu'on peut les transpercer? Non, on peut pas. Attendez, faites voir. Ah oui, on peut pas transpercer. Ok, bon, les potes, on va attendre quand même qu'ils le fassent. Ok, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Franchement, là, je dirais quand même gauche, hein. Mais je vais pas y aller parce que bon, ça fait un peu peur. Allez! Oh! Oui, c'était là, c'était là! Ok! Ok, bon, il reste plus beaucoup de trucs à faire là. Je crois que là, c'est gauche quand même, hein. Lola, tu penses que c'est gauche ou droite là? Tu veux essayer la gauche pour voir? Non, pas vite-toi! Ah! Ok! Vite, c'est par là! Ok, bon, maintenant, il y a une chance sur deux, Lola. Une chance sur deux. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être? Bon. Attention les potes. Soit c'est ici qu'on peut vivre, soit c'est ici qu'on peut vivre. Et puis là, c'est là-bas, la Non, grande mais tu sortie. peux aller Et on va attendre que quelqu'un saute, hein. Franchement, moi, j'ai tout mon temps, on va pas se mentir. On va les laisser. Bah, parce que, évidemment, Lola, on a deux doigts de finir le jeu, donc faudrait quand même pas mourir maintenant, ce serait trop bête, non? T'en penses Tu veux quoi? le temps de faire une fin, genre tac, tac, après je retourne. Bah, tu veux essayer, Lola? Oh! Oh non! Non, Lola, les amis! Non! Les amis, il y a Lola qui vient de mourir, les potes! Oh non, mais pourquoi? Attrapez-moi! Oh, les amis, Partagez-moi pourquoi? Pourquoi personne n'a eu le courage de le faire, les amis? Voilà, je ton suis écran! Bah, moi, donc. je suis courageuse! Les amis, voilà, Lola, malheureusement, on ne l'entend plus puisqu'elle est morte. Mais vous inquiétez pas, les amis, je vais tout faire pour la sauver. Et d'ailleurs, il reste plus que 4 personnes en vie, les amis. Est-ce que je vais gagner le Tu peux Squid le Game? faire! On va le découvrir Tu dans peux quelques le instants. faire! Mais j'espère que. Quoi? Attends, mais j'ai gagné le Squid Game? Eh, mais Lola! Attends, Lola, tu m'entends? C'est bon, je crois qu'on a gagné le Squid Game, Lola! Tu nous as tous sauvés, en fait! Yes! On a gagné le Squid Game, Lola! Bravo! Eh, franchement, les potes. C'est vrai qu'on a vraiment pas du tout porté notre courage à deux mains. Mais bon, en tout cas, c'était incroyable. Lola, t'en as pensé quoi de ce Squid Game, alors, Lola? Ouais, c'était vraiment stylé. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé le moment qu'on a passé. Et tu sais quoi, Lola? Pourquoi pas on fait un Squid Game avec McFly? T'es chaude ou pas? Ouais, je suis chaud. Allez, bien, du coup, bah écoutez, bah les amis, franchement, c'était incroyable. N'hésite pas dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un gros pouce bleu. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si jamais tu as déjà regardé la série Squid Game, qui est vraiment trop stylée. Lola, t'as bien aimé toi ou pas? Et voilà, donc voilà, sur ce, les potes, c'est parti! Oh, mais où est-ce que je suis? What? Pourquoi est-ce que j'ai une tenue de prisonnier comme ça et... Attends, mais McFly? Mais qu'est-ce que tu fais en face de moi, McFly? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais McFly, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, mais cet endroit, il me dit vraiment, vraiment un truc par contre. McFly, si je dis pas de bêtises, me dis pas qu'on est quand même dans Squid Game là? Attends. Attends, quoi, McFly! Parce que moi, je Oh connais très bien ce genre de jeu, McFly, hein. Quand les personnes qui sont dans le Squid Game, c'est des personnes qui sont tous en difficulté d'argent, McFly. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais t'as joué tout ton argent au loto ou quoi? On m'a fait jouer, j'ai perdu beaucoup. T'as Trop. vrai, bah alors t'as vraiment dû perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que Et regarde où est-ce qu'on se toi? retrouve. Bah écoute, moi aussi, je crois que j'ai un petit peu joué trop d'argent au casino ces derniers jours, là, et j'ai clairement perdu peut-être plus
plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enfin bon. Timer. Ouais, bon, en tout cas, voilà, dans 20 secondes, je crois qu'il va y avoir un jeu qui va commencer. Regardez, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, on se retrouve donc dans le Squid Game. Alors, bon, certaines personnes ne connaissent peut-être pas forcément les règles du jeu du Squid Game, mais c'est assez simple, en fait. Ce sont plein de petits jeux d'enfants, voilà, comme par exemple le 1, 2, 3 Soleil, et encore un tas d'autres autres jeux. Et en fait, le but du jeu, c'est de survivre à tout ça, mais faut faire attention, puisque évidemment, si jamais pendant, par exemple, notre soleil, on se met à bouger, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On se fait clairement tirer dessus. Donc voilà, McFly, t'as compris un petit peu. En gros, c'est des jeux d'enfants, mais quand tu perds, eh bien, tu te fais clairement tuer. Et le but du jeu, McFly, si tu le comprends, le but du jeu, si tu le comprends bien, évidemment, c'est de survivre jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, donc c'est parti, les amis. Le Squid Game va commencer. Attention, viens. Je crois que c'est par derrière McFly qu'il faut passer. Ok. Bon, écoutez les amis, on est donc actuellement donc devant la première étape du jeu. McFly, t'es où? McFly? Là, je saute, regarde. Attends, ah ok, c'est bon, t'es là, je suis là, tu me vois? Ouais, viens, on va au bout là. Ok, vas-y, ouais, vas-y, on va se mettre un petit peu au bout. Alors regarde, tu vois la poupée qui est là-bas là? C'est elle qui va nous tuer si jamais tu bouges pendant le 1, 2, 3 soleil. Donc en gros, là, elle va mettre une lumière verte. Quand c'est vert, ça veut dire qu'on peut y aller. Ok, on peut y aller. Et dès que ça passe au rouge, faut arrêter. Arrête, McFly, arrête-toi. Non, les amis. McFly, il vient déjà de se faire tuer, les amis. Ok, bon, je vous inquiétez pas, je vais me venger, les potes. Donc là, vous avez pu le comprendre, c'est un du trop soleil, il ne faut plus bouger tant qu'on passe pas à l'écran vert. Ok, allez, c'est parti, on court. Ah, vite. Ok, bon, là, il y a déjà nos premiers compagnons de cellule, là, qui sont en train de se faire fusiller. Allez, vous inquiétez pas, McFly, je vais te venger. Ok, on peut continuer un petit peu à courir, je crois. Ok, je peux en... Oh, ok, c'est bon. Ok, bon, pour l'instant, les amis, je suis encore dans la liste des candidats. Regardez, il y a pas mal de personnes qui sont là, mais dis donc, il y a quand même énormément de morts, hein. Allez, passe directement vers... Ok, je vais y arriver. Non! Je me suis aussi fait tuer, les amis. Oh là 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 là, McFly, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, McFly, je crois... Attends, t'es passé où, là? Je te vois pas. Je suis là, je saute. Regarde. Attends, ah, t'es là, ok, nickel. Bon, écoute, McFly, je crois qu'on n'a pas forcément réussi là, 1, 2, 3 soleil, mais est-ce que t'as compris, du coup, le concept? Ouais, j'ai compris. Donc en gros, voilà, le but du jeu, c'est de ne surtout pas bouger quand ça passe du coup au rouge, parce que si tu bouges quand on est au rouge, bah tu te fais clairement fusiller, tirer dessus, et franchement, c'est pas agréable. D'ailleurs, vous avez pu le voir, regardez, il y a malheureusement un abonné aussi, je crois qu'il a dû perdre... Attends, dis-nous en message, comment ça se fait que tu sois ici? Toi aussi, t'as perdu beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein, mon cher abonné, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as perdu de l'argent? T'as joué au loto, au casino, des paris sportifs? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise, toi? Hein? Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. McFly, tu penses qu'il a fait quoi comme bêtise, lui? C'est du loto ou des trop grosses dettes? Ah, peut-être des trop grosses dettes. Ça se trouve, il a mangé trop de fois au McDo. Et puis bon, bah évidemment, hein, le McDo... Ah, il s'est fait cambrioler. Oh non. Ah oui, d'accord. Bon, bah le pauvre, bah c'est pour ça qu'il peut malheureusement peut-être plus forcément rembourser l'argent qu'il doit. Bref, écoutez, dans une minute, on est donc reparti, voilà, pour tenter de faire le notre soleil. Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez vu la série Squid Game? Mais franchement, elle était trop bien, moi j'ai adoré. Et puis bah écoutez, bah McFly, est-ce que t'es chaud pour qu'on survive cette fois-ci, hein? Mais tu es le numéro combien, toi? Moi, je suis le numéro 271. Et toi, McFly? 131, d'accord. Et regarde, McFly, en gros, je t'explique, plus il va y avoir de morts durant la vidéo, et regarde, en fait, t'as vu, regarde en haut, là, plus la cagnotte est monte, tu vois, parce qu'en gros, la vie humaine, bah, ça a, entre guillemets, un prix dans la série, tu vois, et donc, plus il y a des morts, et plus, du coup, le butin augmente. Ça veut dire que là, si on arrive à gagner, et bah, on gagnera de plus en plus d'argent, tu vois. Donc, si on est les derniers survivants, tu vas voir que le gros pactole, là, il sera de beaucoup d'argent, tu vois. Je veux. Tu veux? Bah, moi aussi, je veux. Allez, vas-y, viens. On va y aller, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu si on peut pas avoir des différentes tenues. Alors, regardez, ici, on a... Ok, donc là, vous avez pu voir, hein, ça, c'est les gens du Squid Game, là, qui veulent nous faire un petit peu du mal. Mais bon, vous inquiétez pas. Là, on fait le jeu numéro 1, mais il y a aussi plein d'autres jeux. Mais évidemment, on fera ça dans une seconde partie de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, d'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, on l'a même pas dit, McFly, mais attends, on n'a même pas dit aux gens de s'abonner à la chaîne, là, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. Bon, les potes, pour ceux qui sont encore actuellement sur la vidéo, abonnez-vous tout de suite tous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu. Mais attention, hein, parce qu'apparemment, si vous ne le faites pas, il va tout simplement y avoir... Bah, en fait, vous allez vous aussi finir dans le Squid Game, hein, donc... J'ai 10 000 abonnés sur la chaîne, en plus. Ouais, c'est vrai qu'on est très proche des 10 000 abonnés. En effet, McFly, t'as totalement raison. Donc voilà, si vous voulez qu'on arrive aux 10 000 abonnés, eh bien, dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne. Et si on arrive à passer
passer les 10 000 abonnés, je vous préparerai une petite surprise. Allez, c'est reparti McFly, viens, on se met plutôt vers le milieu cette fois-ci, tu sais, comme ça on voit un petit peu les gens mourir un petit peu autour de nous. C'est un petit peu gore, mais bon. Vas-y, viens, on se met là. Ok, c'est bon, je te vois. Ok, bon, notre chère poupée va nous représenter un petit peu le jeu, mais bon, évidemment, on le connaît, hein. C'est courir quand c'est vert et d'arrêter de courir quand c'est rouge. McFly, t'as pas trop peur, ça va? Parce que bon, quand tu perds au jeu, tu meurs carrément, quoi. Allez, attention, prépare-toi, boum, c'est parti, McFly. Ok, attention, on va avancer. Ok, stop. McFly, tu meurs pas cette fois-ci, hein, je compte sur toi. Non, mais il y a quelqu'un qui est mort juste à côté. Et fais attention parce que... Non, mais McFly. Ah, mais McFly, une fois que... Tant que ça repasse pas au vert, faut vraiment plus du tout bouger, tu vois. Oui, je suis désolé, j'ai eu un petit problème qui m'a fait avancer. Ok. Bon, vous inquiétez pas, moi je vais réussir cette fois-ci. Allez. Je vais faire ça pour te faire gagner. Allez, c'est parti, t'inquiète pas, je vais réussir cette fois-ci, McFly. Ok, le vert, ok, c'est parti. Oh, ok, c'est bon, pour l'instant je survis. Bon, là il y a quand même un peu plus de monde que tout à l'heure qui ont survécu. Donc je devrais probablement réussir. Regardez, il y a des gens juste là-bas et tout. Est-ce que tu penses, McFly, que je peux danser pendant le parcours? Attends, je vais essayer un petit truc. On va essayer de voir si je peux danser. Fais voir, slash, e, dance. Eh mais, regarde, oh, McFly. Je suis, regardez, j'ai trouvé un glitch. Je peux danser tout en, enfin, ça compte pas comme si je bougeais en fait. Allez, attention, c'est parti, on court, attention. Il y en a qui arrivent, hein. Ok, attention, bon, on va arrêter de bouger ici. On va avancer encore un petit peu. Oh, non. Non, mais attendez, mais il tire trop vite une fois qu'il passe au vert. Bon, on va un petit peu voir qui va réussir à gagner. Oula, la fille en rouge qui est juste ici, là, je la sens bien, hein. Je sens qu'elle peut clairement gagner. Il y en a devant elle. Il y en a encore devant elle-même. Ah ouais. Attends, mais McFly, mais comment tu les vois tous, toi? Eh ben, il y a une caméra. Ah ouais, moi, je vois plus la caméra. Enfin, je vois la caméra, mais je vois pas l'angle. Mais non, je vois pas l'angle, mais je les ai vus avancer. Ah, tu les as vus avancer. Bon, en tout cas, celle-là, elle se débrouille vraiment bien. Bon, est-ce que la prochaine manche, on va réussir à gagner? C'est la grande question qu'on se pose. Mais franchement, j'espère qu'on va réussir, McFly. On n'est pas trop des professionnels, quand même, hein. Je pense que on prend peut-être un petit peu trop la confiance, tu vois, mais peut-être qu'il faut pas forcément tout le temps avancer, tu vois. Genre, des fois, faut avancer tranquille, quoi. Regardez, y en a qui... Ça court, attention. Ok, oh non. Non. J'ai une question. Est-ce que si quelqu'un gagne le jeu s'arrête? Non, en fait, puisque il y a le nombre de qualifications, il est limité. C'est-à-dire que si tout le monde vraiment arrêtait de bouger quand ça passe au rouge, bah personne mourrait, tu vois. Donc ça veut dire si elle tire, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ne respectent pas la règle du jeu, quoi, en fait, entre guillemets, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve évidemment pour une toute nouvelle manche juste après, et puis évidemment après on fera les jeux numéro 2, numéro 3, numéro 4 et tous les jeux suivants, parce qu'il y en a évidemment plein, hein, dans le Squid Game, donc c'est vraiment trop cool. McFly, est-ce que t'es chaud pour tenter de réussir à la troisième manche? Jamais 203 comme on dit, mais la troisième, on va réussir, hein, ok? On va réussir, voilà, j'aime bien quand tu parles comme ça, McFly. Allez, c'est reparti les potes, dans 30 secondes pour la grande aventure, cette fois-ci, les amis. Vous inquiétez pas qu'on va réussir. On va voir un petit peu, ce soir, tu veux qu'on dorme où, dans quelle cellule? Puisque évidemment, c'est quand même assez grand. On dort où, McFly, ce soir? Au fond, ouais. Bah, il y a moins de personnes, hein. Alors, fais attention, puisque tu sais que pendant la nuit, on peut aussi se faire attaquer par des gens, hein. Tu sais, c'est la jungle, quoi. Donc, faut faire attention. On va se mettre dans un coin, peut-être ici, là, tu vois, genre, là, ouais. On pourrait se mettre là. Bon, en tout cas, les amis, c'est reparti. Cette fois-ci, les potes, vous inquiétez pas, on va réussir. Est-ce que vous croyez en moi, les abonnés? Dans les commentaires, écrivez, oui, Twinner, oui, McFly, on va réussir. Là, franchement, on va tout faire pour réussir. Allez, McFly! Mets-toi sur la ligne. Ok, je le vois, McFly, il est là-bas. Allez, McFly, c'est la bonne. Attends, viens, on se met plus au soleil, là, on voit pas trop, là. Voilà, ici, là. Oh, je regarde. Il y en a un, il triche. Mais vas-y, il va se faire tuer, Tiki, là. What? Mais les potes, regardez Tiki. Mais comment il a fait? Mais what? Un malade. Mais il est trop... Mais il est complètement fou, lui. Attendez, mais il a déjà gagné le jeu. Mais comment il a fait ça? Ouais, attention. On va pas bouger. Ok. Bouge vraiment pas, hein. Mais pas d'un seul millimètre, parce que sinon tu te fais attaquer. Oh, il y a tous les gens autour de nous qui se sont fait tuer. Allez, go. Attention. Allez, encore. Attends, j'arrête là. En plus, on a du temps, en vrai, donc on n'est pas obligé de tout le temps courir, hein. Allez, là, on va réussir. On va y arriver, McFly, t'inquiète pas. On va réussir, McFly. Allez, on a 2030 pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Bougez surtout pas, les amis. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont survécu, là, ça va. Mais attendez, il y en a un qui bouge, il se fait pas tuer, là-bas. Mais ouais, mais je comprends pas, hein. Je comprends pas. Allez, repasse au vert là, sinon. Allez. Allez. Ok, go. Allez. Ok, stop. Ah, non. Ok, bon, McFly, je crois en toi. McFly,
Tout repose sur toi maintenant. Regardez les amis, McFly, il est juste ici. Eh, vous inquiétez pas, McFly, je sais qu'il va réussir pour nous, McFly. Hein, McFly, je crois en toi. Je suis chaud. Bon, les potes, hein, franchement, là, depuis le début de la vidéo, j'ai eu un petit peu du mal. Hein. D'ailleurs, je n'ai carrément, en fait, jamais réussi pour l'instant. Mais vous inquiétez pas. Ok. Non. C'était instant. Tu t'es fait tuer. Toi. Non. Bon, bah écoutez, les amis, franchement, on n'arrive même pas à passer à la première étape du Squid Game. Franchement, tu crois que McFly va gagner? Bah, malheureusement, voilà, il n'a pas gagné. Mais bon, vous savez quoi? Il commence un petit peu à se faire tard. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans un nouvel endroit, dans un nouveau Squid Game qui va vraiment être incroyable. Ok, nous revoilà, donc on est donc dans un nouveau Squid Game comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la salle est quand même un peu plus grande là comme vous pouvez le voir. Allez McFly, viens, c'est parti, let's go. Donc voilà, donc là on a donc 30 secondes pour rapidement aller donc au nouveau jeu. Donc là on va devoir partir vers ici, McFly, c'est parti. Bah attends, je te vois pas, ouais, t'es là. Ok, impeccable. Bon, on va attendre tranquillement donc que le tout nouveau jeu démarre. Donc voilà, attention maintenant, c'est le nouveau Squid Game. Oh, il y a quelqu'un qui dit comme quoi il avait de l'argent et qu'il devait pas du tout apparaître ici. Ah bah je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé malheureusement. C'est vrai que McFly, tous ceux qui sont ici, ça se trouve, il y en a qui se sont même pas endettés mais qui ont fini dans le jeu quand même, hein. Ça se trouve, ouais. Ah, c'est vrai que c'est possible. Probable. Bon, en tout cas, dans 5 secondes, le tout nouveau jeu va commencer. On va le découvrir dans quelques instants avec vous les abonnés, donc ça risque d'être vraiment incroyable. Est-ce qu'encore une fois, il ne faudra pas bouger? Oula. Ok. Ah, je sais. Bon, McFly, il fait super attention. Ouais. En gros, là, on est dans un jeu coréen, tu vois. Alors, le but du jeu, non, ce n'est pas de faire le toboggan, McFly. Le but du jeu, et faut vraiment, écoute-moi bien, on va choisir une salle, tu vois. Donc, le parapluie, l'étoile, ici, il y a le petit triangle ou le rond. Et en fait, une fois qu'on ira dedans, regarde, attends, hop, on va rentrer doucement. Attention, passe pas la rune, passe pas la ligne, ok. Et là, le but du jeu, c'est de passer sans toucher, enfin, sans tomber, et il faut toucher le verre. Ok, McFly? Okay. Capiche? Allez, c'est parti. Il faut donc bien aller super doucement. C'est très très minutieux comme petit truc là. T'as réussi toi? Oui. Bien joué. Allez, à mon tour les amis. Il faut évidemment éviter de toucher le de tomber en fait tout simplement. Donc allez, hop, on fait ça. On a 100 secondes et quelques pour le faire. Allez, ça va pour l'instant, on se débrouille. Ok, McFly, t'y arrives de ton côté? Ok. C'est bon, moi j'ai réussi. Bon. Allez, let's go, on peut redescendre en bas. Allez, on peut redescendre en bas, c'est parti. Let's go, on descend en bas. Hop là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, ça c'est les nouvelles étapes, ça. On verra ça dans un prochain temps. Allez, on descend directement en bas, les amis. Hop là, on descend, Dans le réfectoire. T'es où, McFly, là? T'es dans le réfectoire? Ouais, j'attends la nouvelle mission. Vas-y, bah attends, on va arriver. J'arrive. Hop, allez, on va venir aussi, tac. Ok, attendez, où est-ce qu'il est? Ah, je crois que tu dois sûrement être là. T'es où là? Là, je suis entré, j'attends la nouvelle épreuve. Là, on était tout à l'heure. Fais voir, attends, on va voir un petit peu. McFly? What? Je te vois pas du tout, McFly. Hein. Moi aussi, je suis à l'endroit où il y a toutes les. Attends, mais. Ah bon, là, il y a Sonic qui est avec moi. Mais McFly, je le vois pas. Ah, je crois que je sais où est-ce qu'il est. Il est là-bas, c'est parti, on y va. Bon, en tout cas, faut faire attention puisque dans 70 secondes, il y a la toute nouvelle mission qui devrait arriver. Est-ce que t'es là, McFly? Je saute là, tu me vois? Moi aussi, c'est bon, nickel, parfait. Et... ok, bon, impeccable. Bah écoute, on va rester ici. Ouais, faut pas marcher parce que sinon tu deviens un méchant si tu marches là-dessus, hein. Donc voilà. Allez, on va attendre donc une petite minute tranquillement. Et puis voilà, on va donc avoir une toute nouvelle épreuve qui va commencer. Vous allez voir que ça risque d'être vraiment incroyable. Et puis bah écoutez, bah c'est parti, McFly, qu'est-ce que t'en dis? Pour l'instant, ça passe. Tu penses qu'on va réussir à survivre jusqu'à la toute dernière épreuve du Squid Game ou pas? Oui, on l'espère. Allez, c'est parti, attention, quelle sera la nouvelle épreuve? On va le découvrir dans quelques instants avec vous les abonnés. Ok les amis, voilà, on est arrivé dans la toute nouvelle épreuve. Alors bon, je pense que vous connaissez cette épreuve les amis, pour ceux qui ont regardé la série du Squid Game. Alors vous avez pu le voir, il y a donc en gros, McFly, je t'explique. Alors saute pas encore, t'es où? Trop tard? Non, McFly, t'as pas déjà sauté quand même? Bon, je savais pas. En gros, voilà le but là. Donc voilà, vous savez, il y a donc des endroits avec des morceaux avec des verres. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des endroits avec des verres et d'autres avec des verres trempés. Donc c'est-à-dire que c'est des trucs qui se cassent pas. Et donc là, le but, voilà, c'est de passer sans tomber. Ok, donc pour l'instant, on est bien. Alors là, il y a personne qui ose y aller. Allez, je sais qu'il y en a un qui est capable. Allez-y. Ok, bon, personne ne veut y aller parce qu'évidemment, s'il trouve le mauvais passage, eh bien, entre guillemets, il se suicide, quoi. Donc bon. Moi, je vais pas trop y aller, puisque évidemment, moi, je suis là en vidéo. Peut-être qu'il faut. Alors, donc, en gros, voilà, il a une chance sur deux. Voilà. Attention, ok, c'est bon, c'était celle-là, la verre. Ok, impeccable. Franchement,
Moi, je dirais que là, il faudrait aller à gauche. Yes! C'est la bonne, ok. Est-ce que quelqu'un veut tenter de se suicider? Je pense que c'est celle au milieu. Enfin, je pense que c'est celle devant. Alors, quelle sera la bonne vitre? Je pense que c'est celle devant. On va voir. Personne ne saute y aller, hein. Ah! Ok. Attendez, on va faire genre que j'y vais. Ok. Ok. Ah, je sais pas en vrai, les ennemis, laquelle est la bonne. Ah! Mais attendez, mais on peut peut-être faire une technique secrète, hein. Attendez, faites voir. Ok. Ah non, on n'y arrive pas, les amis. C'est vraiment bien fait, hein. Ah! Ok, bon bah c'est celle-là, ok, nickel, il y en a un qui a donné, ok, oui, on va y arriver, ok, je le sens, regardez, ça commence à bien avancer, ok, donc là, les amis, on a déjà fait presque la moitié du parcours, alors maintenant, ouais, je t'entends, McFly. Tu t'en sors? Ouais, pour l'instant, je m'en sors, en gros, nickel. Tu vois, en fait, à chaque fois, on a une chance sur deux, il y en a une avec du verre invisible, et l'autre, en fait, c'est du vrai verre, et il faut trouver le bon endroit. Tu dirais que là, c'est quoi, McFly, la droite ou la gauche, toi? Je dirais tout droit. Ah, et bah c'est la gauche. Ok, c'était la gauche. Ok, bon, maintenant en vrai, je dis tout droit, je pense. Je sais pas en vrai. Je dirais tout droit, mais j'ose pas trop sauter en fait, sans te mentir. Bah écoutez, vous savez quoi? Eh, on va y aller. On va y aller. Non. C'était la droite. Et franchement, vu que je vois qu'il y a personne qui ose le faire, bah écoutez, j'ai quand même essayé de prendre des risques. Mais bon, j'ai trouvé malheureusement le mauvais passage. Donc voilà, mais bon, personne n'ose y aller en fait. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais bon, McFly, j'espère qu'on survivra à la dernière épreuve. Je ne sais pas c'est laquelle, mais ça risque d'être vraiment incroyable. Hein, donc voilà. Allez, la prochaine épreuve du Squid Game devrait pas tarder à commencer. Ouais, McFly. Bonsoir. Oula, McFly, non, t'approches pas de moi. Oui, c'est devenu un méchant, McFly. C'est un infiltré, je le savais. Non. Je savais que c'était un infiltré. Regardez-le, McFly. Non, c'est bon. T'es parti du mauvais côté, là, hein. Je te reconnais, c'est McFly. C'est faux. J'avais un masque. Ouais, c'est ça, ouais. Comment tu sais que c'est moi? Mais je t'ai reconnu direct, là. J'ai vu ta petite tête, là. Je me suis dit, oh, c'est McFly qui s'est camouflé en méchant soldat, là. Hein. Non, mais où? On est où, là? Bon, en tout cas, les amis, dans quelques secondes, il va donc y avoir une toute nouvelle étape. Je ne sais évidemment pas qu'est-ce qui va se passer, mais je crois que voilà, on touche bientôt aux dernières épreuves du Squid Game, donc ça risque d'être vraiment incroyable. Ouais, bon, regardez, il y a quelqu'un qui dit comme quoi il s'est sacrifié tout seul, voilà, pour que évidemment les autres puissent avancer. C'est vrai, il a fallu sacrifier. Moi aussi, je me suis sacrifié pour essayer de faire passer le. D'aider les gens, mais bon, malheureusement. Je sais pas s'ils ont réussi. J'ai trouvé le mauvais chemin. Allez! Dans 20 secondes, c'est reparti. Voilà McFly qui s'est remis dans sa petite tenue de prisonnier. Dis-moi McFly, mais t'es beau gosse avec ta petite tenue vert là, hein. Ouais, moi j'aime bien, ça me va. Fais voir bien, un petit peu, bien. Dis donc. Eh, mais franchement, les amis, il est très très beau. Hein. Mettez-moi dans les commentaires comment vous trouvez nos petites tenues vertes là. Franchement, on est plutôt stylé, je trouve. Hein. Là, on est bien là. 3 secondes, les amis, pour une toute nouvelle épreuve. Laquelle ça va être? Ok, le 1, 2, 3 soleil. Ok, c'est parti, attention. Je sais pas si on peut bouger là vraiment. On peut. Ok. On peut y aller. Ah, mais c'est même pas automatisé en fait, d'accord. Attendez, mais quoi? Mais c'est pas du tout automatisé là. Attendez, mais what? Les amis, c'est même pas automatisé, les potes. Regardez, elle se retourne même pas. Il y a quoi que ce soit, il y a rien du tout. Bon, bah écoutez, voilà, les amis, c'est bon. Bah écoutez, vous savez quoi? Eh, on va trouver un nouveau truc intéressant à faire, puisque bon, cette map là, elle était un petit peu trop simple, je trouve, hein. donc on va se trouver un petit truc cool à faire avant, évidemment, de sortir et de gagner le Squid Game. Ok, bon, les amis, voilà, on vient de réussir à passer, je sais pas si McFly... Oui, McFly, t'es passé. Ok, yes, les amis, c'est bon. On va donc commencer le grand Squid Game, c'est parti. Ok, alors donc, comment, par quelle épreuve est-ce qu'on est censé commencer, du coup? Alors, écoute, viens, on va chercher une petite épreuve qu'on pourrait avoir quelque part. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Oh, ok. Tac, peut-être vers ici. Oh, regarde, ok, on va se mettre vers ici. Ouais, voilà, il y a une épreuve qui va peut-être commencer ici. Là. Faites voir, elle s'appelle comment? Bon, je sais pas trop c'est quelle épreuve. Ah, je sais c'est quelle épreuve. Je sais pas forcément si c'est cette épreuve-là où on peut faire. Viens, McFly, on va retourner en arrière. Je vais voir, tu sais, s'il y a pas l'épreuve du green, tu sais, un 2, 3 soleil là. On va aller voir. Ok, vas-y, viens. On va escalader vers là-bas. Peut-être que vers là-bas, voilà, on va pouvoir aller faire du coup, le Squid Game. Donc, c'est parti, McFly. Hop, on va escalader vers ici. Ok, bah écoutez, pour l'instant, on a l'air d'être bon. Je sais pas du tout c'est quelle épreuve qui est cachée derrière ici. Attention, c'est laquelle? Wow, y a du monde ici. Waouh. Ok, bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde, mais on va rester là, McFly. Ok, attends.
Mais c'est pour ils attendent pour une épreuve, je pense, non? Je pense aussi, hein, mais je sais pas ce que l'admin fait, du coup, bon, ouais, c'est un petit peu compliqué, en fait, voilà, vu que c'est un tout nouveau jeu qui est sorti sur Roblox, bah voilà, c'est pas forcément encore tout à fait au point, mais bon, si on peut quand même un petit peu essayer de s'amuser, ça peut vraiment être cool, mais comme vous avez pu le voir, là, il y a clairement tous les prisonniers, hein, avant on n'était pas autant, McFly, t'as vu tout le monde qu'il y a là? Ouais. C'est incroyable, hein, franchement. Ah, regarde, il y en a un, regarde, il a remis sa petite carte d'identité, là, attends, viens, reviens devant. Où ça? Attends, recule un petit peu. Enfin, retourne un petit peu en arrière. Bah moi je suis un petit peu en arrière là. Faut ressortir de la salle. Attends, je Hop, faut retourner en arrière. Faut retourner en arrière. Ah, t'es là. Ok. Bah attends, bah il est parti celui qui avait sa petite carte d'identité là. Bon. Il y a quelqu'un avec une carte d'identité. Ouais, il y en avait. Il avait ramené sa carte d'identité et tout. Je crois qu'il veut faire l'épreuve lui. Hein. Bon. Bon, c'est bon. On va rester tranquillement ici. On va voir si jamais bah du coup l'épreuve. Je sais pas, c'est laquelle. Tu penses que c'est l'épreuve de du tenant de trois soleils ici? Ben normalement il y a trois portes, non? Ouais, il y a plusieurs épreuves, il y en a une là-bas, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Et après toutes les autres épreuves, il y a quand même très peu de monde, hein. C'est vraiment ici qu'il y a du monde, donc je pense que voilà, c'est sûrement cette épreuve-là qui va commencer, hein. T'en dis quoi? C'est long, vraiment. Ah oui, c'est bon, j'arrive à sauter, oui. Je vois, c'est bien l'épreuve du 1, 2, 3 soleil. Bon, bah écoutez, on va attendre. Alors sauf qu'en fait là, c'est pas un 1, 2, 3 soleil automatique, c'est des gens qui nous tuent, tu vois. Ah, ça s'ouvre. Attends, c'est ouvert. C'est ouvert, McFly. Rentre, ok. Ok, alors attention, ouais. Faut vraiment... Non, passe pas la file, surtout passe pas la file. Faut vraiment écouter le jeu parce que faut... sinon ça marche pas, ok? Ok, c'est bon, c'est bon. Attends, là, t'es où là? Je suis là. Ok, c'est bon, attends, je me mets à côté de toi. Ok, parfait. Bon, là ça va être le même jeu, sauf que là c'est pas automatique, là c'est des gens qui vont nous surveiller en fait et ils vont tirer si on nous voit bouger quand... Bah quand il y a le parcours. Donc bah du coup, voilà, en tout cas c'est parti les amis. Ok, on va attendre tranquillement. Allez. On va attendre tranquillement qu'il se passe quelque chose du coup. Alors, ok, bon, on est sur la file d'attente, tranquille, pour l'instant pas grand chose, hein, c'est plutôt calme. En tout cas, McFly, je te déconseille de franchir la ligne, hein. Ah ouais, non, mauvaise idée. Si tu vas franchir, attends, viens, on essaie de pousser des gens. Attends. Oh. Attends, viens, on pousse des gens. Attends. Oh, oh, attends. Mais fais juste attention de pas bouger, hein. Ok. Bon, attends, on va essayer de pousser des petites personnes. Voilà. Ouais, fais juste bien attention. Ok. Oh, tu as fait avancer. Vas-y, encore un petit peu. Vas-y, McFly. Vas-y. Attention de pas tomber. T'allais presque la voir, McFly. Attends, viens. Là-bas. Elle, là, on va la pousser, elle. Ok, je la sens bien, elle. Allez, hop. Ah, et ça, ils ont compris, je crois. Hein. Ils ont compris. Attends, on va essayer de pousser celle-là, là. Celle-là, on va la pousser. Allez, Jim, hop. Allez, Jim. Que je vais pousser. Ah là là, mais ils savent tous qu'on les pousse. En fait, on veut essayer de piéger quelqu'un, mais bon. Oh lui. Non. Oh, Face Galaxy, je le sens bien. Face, je le sens bien là, Face. Non, ok, bon, il veut pas se tuer. Allez, Max. Non. En fait, ils sont tous devant l'ordinateur, donc bon. J'ai réussi. T'as réussi à pousser quelqu'un? Là, elle est morte. Non. Oh, le méchant McFly, il vient de tuer quelqu'un, et vraiment, mais. Oh, le méchant. Oui. J'espère que. Heureusement que si j'étais pas déconnecté, tu ferais. Eh, t'es sûr que tu me le ferais pas à moi? Hein? De quoi tu... Non. Attends, non, je vais faire à quelqu'un. Regarde, McFly, t'es prêt? Ah, elle là. Non. Elle, je lui fais là. Elle, t'es prêt? Allez, on va la pousser. C'est parti. Ah, elle bouge. Bon, c'est pas possible. Attention, hein. Ok, bon. On va attendre tranquillement, les amis, que le jeu commence, hein. Donc, bah, écoutez, on se retrouve et dans quelques instants, quand le grand jeu du labyrinthe, enfin, du labyrinthe, du 1, 2, 3 soleil commence. Viens, on se met un petit peu, viens, on se met tranquillement un petit peu en hauteur, là. T'es où, là? Oh, mais toi, t'es tout en... Oui! Oh, mais d'accord, toi, t'es carrément tout en haut, toi. T'as tout cassé. Oh! Oh! Non! Alors, ça, fallait pas le faire, ça, hein. Non! Ah ouais, bon, là, on est carrément en dehors du jeu. Non, bon, bah, écoutez, vous savez quoi? Franchement, on a vraiment pas de chance, hein, les amis. Bon. Bah, écoutez, viens, au moins, on va pouvoir sortir le Squid Game. Viens, on y sort, allez. Allez, c'est la liberté, les amis. C'est la grande liberté. Vas-y, viens, on sort d'ici. On sort de là, les amis. Allez, hop. On part de l'endroit. Oula. La liberté ou la mort, là? Ouais, allez, c'est parti, on saute. Voilà. Bref, si la vidéo t'a plu dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube, mets un gros pouce bleu. Et j'espère, pourquoi pas, refaire une vidéo Squid Game, mais quand le jeu sera un peu plus optimisé, parce que bon, là, vous avez pu le comprendre, ça bug énormément. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne fin de soirée, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.